Jouer avec toi. Regarde-le grandir comme toi et moi. Le voici avec ses amis. Ils ont des histoires, ils ont tout leur temps pour toi. Et c'est Franklin. Entre chez toi. Et c'est Franklin. Il entre chez moi. Et c'est Franklin. Le jour de congé de Franklin. Franklin savait compter deux par deux et lacer ses chaussures. Il aimait faire du vélo et construire toutes sortes de choses. Mais quand il était l'heure de ranger ses constructions, il préférait aller faire un tour à bicyclette. Bien. On se retrouve au terrain de jeu. D'accord, à tout de suite, Martin. Tu as prévu quelque chose? Eh bien... Je vais faire du vélo avec Martin. Et tu oublies la forteresse dans le jardin. Oh, maman, je vais la démonter. Alors, pourquoi prends-tu ton casque? Parce que je vais d'abord faire du vélo. Je démonterai la forteresse après. Après? Je crois bien que tu m'as déjà dit cela hier. Je sais, mais hier Basile voulait faire voler son cerf-volant et le vent était parfait. Alors on en a profité. Mais si tu l'avais fait hier, aujourd'hui, tu serais tranquille. Oh, mais ça ne me dérange pas. Simplement, je le ferai plus tard. Tu sais, mon grand, à force de repousser au lendemain les choses désagréables à faire, tu vas être débordé de travail. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, prenons le jardin, par exemple. Si je remets à plus tard le défrichement des mauvaises herbes, elles pousseront, répandront leurs graines et j'aurai le double du travail. Oui, mais ce sont des herbes. Papa, ma forteresse ne va pas bouger pendant que je fais du vélo. Je peux la démonter plus tard, s'il te plaît. Martin m'attend. Bon, d'accord. Merci, maman. Mais je veux que ce soit fait aujourd'hui. Je te le promets. Sans oublier de ranger tout ce qu'il y a à l'intérieur de la forteresse. Oh, bien sûr, pas, ne t'inquiète pas. Bon, j'espère qu'il ne va pas regarder le jardin. Pourquoi? Parce que les mauvaises herbes sont hautes comme ça. Je les enlèverai plus tard. C'est pas vrai. Oh. Bah, mon pneu est encore à plat. Je sais, je devais le réparer, mais est-ce que tu as rapporté les outils de chez Lily? Au moment où j'allais les chercher en sortant de l'école jeudi, Raffin m'a demandé de jouer avec lui. Ce n'est qu'une toute petite fuite. Regonfle-le comme je t'ai montré. Ça tiendra jusqu'à ce que tu reviennes. D'accord, pas. J'irai chez Lily demain matin. Papa! Oui, je suis là! Je ne retrouve pas la pompe. Où est-ce que tu l'as mise? La dernière fois que je l'ai vue, elle était sous le grand arbre. Et lorsque je t'ai demandé de la ranger, ce jour-là, tu m'as dit que tu le ferais plus tard. Tu te souviens? Oh oui. Ne t'inquiète pas, papa. Je la remettrai en place dès que j'aurai gonflé mon pneu. Oh. J'aurais dû ranger cette pompe avant que toutes les feuilles tombent de l'arbre. Je ne vais jamais la retrouver. Hé, je sais ce qu'il me faut. Voilà.
Oh, ce n'est pas le râteau. Il est sûrement quelque part par là. Franklin, je croyais que tu étais allé faire du vélo avec Martin. J'y vais, mais je ne trouve pas le râteau. Tu vas faire un tour de râteau? Oh, non, mais j'en ai besoin pour retrouver la pompe. Franklin, rappelle-toi, qu'est-ce que tu as pris pour maintenir le toit de ta forteresse? Le râteau! Merci, maman! Allez, viens! Dis-moi, pourquoi tu ne la vides pas? Ce serait plus facile ensuite. Je viderai ma forteresse plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin du râteau. Je vais y arriver cette fois. Ouf! Maintenant, je peux dégager les feuilles. Oh! Oh non! Oh! Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire? Je ne vais pas l'attendre toute la journée au terrain de jeu. Franklin? Sors de là! Laisse-moi te... Oh! Oh non! Franklin est pris dans un piège! Tiens bon, Franklin! J'arrive! Ne t'inquiète pas! Je vais te sortir de là! Martin! Qu'est-ce que tu fais, Martin? Je te sauve. Je n'ai pas besoin d'être sauvé, j'ai besoin d'un râteau. Oh! Il est ici. Je crois que c'est le râteau qui a besoin d'être sauvé. Oh, je n'ai plus qu'à oublier notre promenade à vélo. Ben alors, pourquoi tu cherches un râteau? J'ai besoin d'un râteau pour ramasser les feuilles et retrouver ma pompe. Comme ça, je pourrais regonfler mon pneu et aller faire un tour de vélo, tu comprends? Oh! Excuse-moi, Martin, je suis très énervée parce que j'ai vraiment envie de faire de la bicyclette. Je t'en prie, mais j'ai une idée. Emmène ton vélo chez moi, je te prêterai ma pompe. Oh oui! Elle est géniale ton idée, Martin! Allez, viens, on y va! Attends, qu'est-ce que tu fais de toutes ces affaires? Tu ne veux pas qu'on les range? Je le ferai plus tard. D'accord. Allez, dépêche-toi! Allez, dépêche-toi! Attends un peu, Martin! Allez, dépêche-toi! Pourquoi on ne marche pas? Parce qu'on arrivera beaucoup plus vite à ma maison si on court. Oh. Allez, Franklin, allez! Allez, Franklin, allez! Attends-moi, Martin! Allez, Franklin, allez! Allez, Franklin! Tu vas voir. Hop. Hein? Oh! Oh non, toutes mes affaires! Qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin d'aide ou tu cherches encore le râteau? Hein? Hé, regarde! Regarde sur quoi tu es tombé, on n'a plus besoin d'aller chez moi! On peut regonfler ton pneu ici, c'est chouette! Martin, tu ne veux pas faire du vélo plus tard? Plus tard? Pourquoi? Parce que j'aurais dû écouter maman et papa. Hein? Si j'avais démonté ma forteresse comme ils me l'ont demandé, tout aurait été plus facile. Maintenant, ça va me prendre des heures. Sauf si un ami t'aide. Tu veux bien, Martin? Bien sûr. Allez, commençons par plier cette couverture.
Oui, avant qu'elle essaie de me manger encore. Oh, c'est dur à arracher. Je ne peux pas croire que ces racines soient si grosses. Tu sais, si tu n'avais pas attendu si longtemps, les racines seraient toutes petites. Eh bien, tu sais, tu as raison. Coucou maman, coucou papa. Alors, cette promenade? C'était très très bien. Nous sommes allés jusqu'à la cascade. Dis-moi, ce n'est pas agréable de rentrer et de n'avoir rien à ranger? Si, pas. C'est super aussi d'avoir une rustine à son pneu et qui ne se dégonfle pas tout le temps. Eh, pas! Il faut que tu ramasses ces feuilles avant qu'elles ne s'envolent dans tout le jardin. Oh, je ne peux pas le faire plus tard. Je voudrais m'occuper des mauvaises herbes. Papa! Ha, 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 ha